Cet atelier international sert de rampe de lancement du programme ALIPA, Alimentation patrimoniale des Africains, programme phare du quarantenaire du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Il vise à sortir l'Afrique de la spirale de la colonisation alimentaire, dont le coût très onéreux a été récemment révélé par la Banque africaine de développement. L'Afrique, aujourd'hui, importe pour 40 milliards, environ 35 à 40 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle ne produit pas. Si vous faites les comptes à un taux de dollar fixe à 500 francs CFA, 40 milliards de dollars, c'est 20 000 milliards de francs CFA. Une aberration quand l'on sait que l'Afrique possède les deux tiers des terres arables du monde. Le Cerdotola via Alipa va donc remettre l'église au centre du village, en prêchant l'impératif de la production locale. Par effet domino, celle-ci entraînera la consommation des produits du terroir et partant, la préservation du patrimoine alimentaire, qui est un puissant levier économique. Nous pouvons valablement tutoyer les autres modes d'alimentation patrimoniaux mondiaux et sortir de la pauvreté, créer de la richesse et être émergent. Pour cela, il faudra codifier tous les process et obtenir des labels ou des appellations géographiques. C'est la prouesse réussie avec le poivre de Djombé, qui de 2000 francs le kilo il y a quelques années, se vend aujourd'hui bon an mal an, entre 25 000 et 30 000 francs le kilogramme.